2021 pour cette énième édition de Rablon. Assez impressionnante, faut dire. Il s'approche lentement, attention. Le pénalty de la part du joueur français. Thierry, c'est moi. Je suis là. C'est pas du foot. C'est le Tour de France. C'est des mecs qui font du vélo. Donc, c'est raté. Ah bon? Ah merde, c'est du vélo, quoi. Y'a pas de... Ouais, enfin, c'est... C'est du vélo. Et surtout, ça permet de ne pas mourir. Voilà.
avait le licencié. Sport a toujours dans la course de France qui continue à se dérouler sous nos yeux. Voilà, y a pas de. Peut-être du nouveau du côté de Philippe. Oui. On a Olivier qui vient de reprendre la tête du peloton. Alors c'est quelque chose de pas très facile à faire puisque Olivier s'est déchaîné quand c'est à pour arriver à ce qu'il voulait arriver à ses fins. Et on ne peut que le féliciter pour cet exploit qui, je pense, te restera dans les mœurs. Décidément, ces Tours de France sont de plus en plus passionnants. Hein. Et donc voilà. On me signale peut-être qu'un joueur français va reprendre la tête. Ah non. Voilà. Après, évidemment, on peut éventuellement dire que le Tour de France, c'est un symbole magnifique. C'est quelque chose de magnifique, fort et innovant, qui obtient beaucoup d'importance aux yeux des Français. Par contre, voilà. S'il vous plaît, je sais pas quoi dire. C'est des mecs qui font du vélo, quoi. Y a pas de. Il faut que je comble. D'accord. Voilà. Est-ce que c'est possible ou pas que l'Allemand puisse reprendre la tête malgré le retard qu'il a pris face au peloton? Le peloton. Eh ouais, on dit toujours ce mot en 2000. Le peloton. Ouais. Oui, non. Alors. Donc, est-ce que Rémi Gaillard va se joindre au sport cette année? La question de beaucoup de personnes se pose. Peut-être. Peut-être pas. Ah, une intervention de la part de Philippe, peut-être. Van Nagara. Et les petits, c'est pas de poudre, c'est ma bite. Le mec était comme. Oui, c'est coupé. Non, on est pas l'antenne là. Coupé. Oh, pardon, mon cher Philippe, on s'est trompé. Excusez-moi. Voilà, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur ce Tour de France. Ne vous inquiétez pas, puisqu'il dure très, très, très longtemps pour voir plus ou moins la même chose. Voilà. Je vous souhaite une très bonne actualité, une très bonne semaine. Et nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures du Tour de France. Est-ce que un joueur va dépasser un autre joueur? Je reprends l'antenne 30 secondes pour vous remercier tous. Nous sommes bientôt à 5000 pelotons. C'est beaucoup de cyclistes, vous dire ce qui est. Nous vous remercions tous du fond du cœur et profitez ça. Je vous laisse terminer la phrase dans les commentaires. Profitez ça. Voilà. Et écoutez, Thierry, je vous repasse l'antenne. Merci à tous. D'ailleurs, peut-être petite devinette pour vous, les spectateurs qui nous regardez. Si un joueur, un cycliste double le second, il est. Je répète ma question pour ceux qui n'ont pas compris. Si un joueur, donc un cycliste du Tour de France double le second, il est forcément. Quelle place a-t-il dans le peloton? Je vous laisse le commenter dans les commentaires. Pour moi, je vous souhaite une excellente nuit et dormez bien. Merci à tous, merci à toutes. D'ailleurs, pour ceux qui savent pas, vous pouvez voir une autre vidéo ici ou tout simplement vous abonner. D'ailleurs sur notre